بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابيت 29 باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. شابيت لو سي كي فين فيني concernant قدح كي veut dire بول de رسول الله صلى الله عليه وسلم. الو قدح قاف دال avec ح قدح veut dire un bol, mais pas n'importe qui bol, c'est un bol qui spécifiquement pour boire là-dedans. Donc قدح c'est sa bol qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tu peux servir pour boire. Alors il tient à plaisir comme ça. Comme un ulama djanou qui tient à plaisir, et il peut donner un nom. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Rayyan, il y en a encore les autres qui tient à ban les autres noms. Il y en a un qui s'appelle Maurice, il y en a un qui normalement fait en dibois, il y a ban lining. Lining ça veut dire modabab, appelle ça en arabe. Donc nous avons dit un revêtement ou soit une garniture qui fait une mété autour en métal. Alors, il y a certains riwayat mentionnés qui, sa revêtement, sa lining là, les tient en ferraille. Il y a dit qu'il tient en l'argent. Il y a dit qu'il tient une mélange ferraille avec l'argent. Donc, principalement, les en dibois, il y a un lining, un revêtement en métal autour. Il y a certains riwayat qui, bol là, qui cassé, qui fait les trois places. Les là, fin met sa lining là. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Étant donné que Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu, un personnage central là dans ce chapitre là, parce que c'est lui-même qui te peut donner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam boire. Comme on nous connaît, quand il est en cause d'enfant, ce moment tu mets lui au service de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, là, 10 ans. Et il finit ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait wafat. Donc quand il tient à 20 ans, lui, pendant sa 10 ans là, il fait mettre lui au service de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui-même qui tu peux donner boire à Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui-même qui fait gagner sa ban bol là, sa qadah là. Donc il y a certains riwayat mentionnés qui c'est, certains ulama mentionnés qui c'est lui-même qui met sa lining là. Il fait faire un changement là-dedans pour préserver sa bol là, parce qu'après le temps, d'après certains riwayat, il fait n'avoir. Donc là, ban ulama montre nous qui quelque chose qui est important, qui a valeur, un principe, quelque chose qui a valeur, les bons nous font les efforts qui nous capables pour préserver. Surtout, quelque chose qui a valeur comme ça, qui est en ta'alluq avec Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, il y a plusieurs bols comme ça, il y en a un qui se fait avec fibre, ou soit sahouk, ça veut dire, on va dire, une crase, dibois tam, une ferlie, un bol. Il y a un processus que je peux faire avant, une technique que je peux servir. Et c'est ça que je peux servir pour mettre en bas sur le lit, servir comme pot de chambre, comment nous dire. Donc, ben, les autres types peuvent servir pour boire. Alors ça, c'était quelques descriptions de qadah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans nos chapitres, il y a deux hadiths. Hadith 195. Donc, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, « Haddathana al-Husayn ibn al-Aswad al-Baghdadi, haddathana Amr » ابن محمد حدثنا عيسى ابن طهمان عن ثابت قال دونك ثابت رحمة الله عليه ان تابعي لجيا اخرج الينا انس ابن مالك انس بن مالك رضي الله عنه دونك اخرج الينا انس بن مالك قدح خشب انس بن مالك رضي الله عنه فينتي ان قدح ان بول ان جيبوا غليظا مضببا غليظ فيجيا Cause, comme on nous dit en anglais, ça veut dire capable, nous capable de traduire li par épais, un bol qui est épais. Normalement, ghaliz veut dire que c'est qui brut, c'est qui pas raffiné. Donc ici, nous capable de traduire li par épais, ou soit solide, ou soit dur, qui fait en dibois. Modabbab, ça même que mon diète allait là, et un lining là, ça veut dire un revêtement, ou soit une garniture en métal. Alors, li capable, en ali comme ça, dans ce design, quand il fait lui-même depuis commencement, fin metli, ou soit comment il y a certains riwayat, bol là, tu cassé, tu fais les là, fin met sa revêtement là pour préserver. Ça a des possibilités là, il y a. Alors, mudabbaban bi hadith, sa lining là, fin fait avec ferraille. Faqal, et Anas bin Malik, radiyallahu anhu, fin dire, ya thabit, oh thabit,
هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم او ثابت سامم قدح سامم بول دو سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي سامم بول لان كيستيون لي فين فين دان ليريتاج دو انس بن مالك رضي الله عنه دونك ان سو بان زانفان كابيل نضر لي نضر ابن انس لي دان سو ليريتاج كي تينا تينا سا بول لا اي سا بول لا دونك فين فاندي دان مدينه دونك فين فان سا دان مدينه اي نا سيتي مونسيوني دان بصره pour 800 000 dirhams. Qui a financé ça pour 800 000 dirhams. Et Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, le grand muhaddith, lui a rapporté qu'il était dans Basra, il trouve sa bolla et il a l'occasion de boire là-dedans. Tabarouk, il a l'occasion de boire là-dedans. Ça, c'est un riwayat depuis et Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi. Alors, deuxième et dernier hadith dans ce chapitre-là, 196, Haddathana Abdullah ibn Abdurrahman. أنبأنا عمرو ابن عاصم أنبأنا حماد ابن سلمة أنبأنا حميد وثابت عن أنس donc le même ثابت que nous trouvons dans le hadith précédent lié avec حميد زوت rapporté depuis أنس بن مالك رضي الله عنه قال لجاء لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله لجاء مفندن رسول صلى الله عليه وسلم boit dans sa bolla tout bonne la boisson qui est là. Ça veut dire tout ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire, les gens au fin de boire dans sa bolla. Sa bolla en question là. Alors il mentionne al-sharab kullahu, tout bonne boire là, il mentionne quelques-uns là-dedans. Alors il est possible c'est tout ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire. D'ailleurs il y a un chapitre qui peut venir après, l'eau, sharab, l'eau, ce qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire, nous pouvons gagner plus de détails. Là il mentionne quelque chose, il est capable quatre quelque chose qui normalement, généralement, tu peux boire même, quelque chose commun que tu peux boire à l'époque-là. Donc, il mentionne Al-ma, wal-nabiz, wal-asal, wal-laban. Al-ma, wal-nabiz, wal-asal, wal-laban. Al-ma, c'est de l'eau. Donc, Rasoul Zassam, tu peux boire de l'eau dans sa boule-là. Al-nabiz, nabizun, veut dire, si je ne me pas trompé, en anglais, appelle ça mead, M-E-A-D. Je ne pas trop connu en français, comment dire, M-E-A-D. Qu'était ça? Prend tam, ou soit, ben, les autres fruits, et la fois, prend raisin sec. Là, dans sa contexte-là, quand Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre tam, différentes qualités tam, ou soit tam sec, ou soit rotob, tam vert. Tu peux mettre dans de l'eau. Tu peux fermer, tu peux laisser-le agir. Une façon de dire, tu peux laisser-le fermenter, moi. Tu peux hésiter pour servir ça, pour fermenter là, parce qu'il nous servit ça pour, quand, par exemple, ben, là, mettre raisin fermenté pour faire du vin. Et pareil. Sauf qu'il, pas laisser-le fermenter, une quantité que tu peux venir moussakir, que tu peux donner sous les ongles. Nous connaissons la fermentation, un processus que tu es dans l'étape. Et dans l'étape, que tu es là, ça, quelque chose là, il vient l'alcool. Il est là qu'on boit, hein, sous les ongles. Là, il vient haram. Mais avant ça, il est halal. Alors, avant ça là, ça bout, avant ça là, appelle l'inabiz. Ben, il y a des gens qui, tu peux mettre ça tôt dans la soirée. Ça veut dire comment, commencement, tantôt, ça soit. Tu peux mettre ça dans des lola, tu peux fermer. Là, là, grand matin, bonheur, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire ça. Dans la zone aussi, un petit peu, tu peux boire. Là, là, tu peux porter à ce monde. Quand arrive tard dans la nuit, là, là, comment dire, il finit dépassé. Ça, quelque chose là, il finit comment se changer. Là, arrête de boire. Ce qui restait là, non, zetli. Ça, c'est un riwayat qui peut venir. Donc, ça appelle ça nabiv. Alors, il y a, ben, ulama, nous, il y a beaucoup faïda là-dedans. C'est un tonique. Hein, il donne la force. C'est un quelque chose qui, quand on boit, il donne la force. En même temps, mon pensée, jamais mon boit, mais mon pensée, il est bien agréable. Hein, c'est quelque chose qui est sucré, mais tam là-dedans. Et donc, ça appelle Nabil, donc Anas bin Malik, radiyallahu anhu, tu peux donner Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, boit Nabil là-dedans. Ou l'asal, asal veut dire du miel, donc tu peux boire du miel aussi là-dedans. Ou al-laban, al-laban veut dire du lait. Donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux boire du lait aussi là-dedans. Là, nous finissons avec quatre petites choses que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux, on a l'habitude de boire de l'eau, nabiz, du miel avec laban. Donc, nous avons trois là-dedans, nous avons abondamment, nous capables de dire, alors, nous besoin de boire lit parce qu'il y a du bien là-dedans. Du lait aussi, il ne faudrait pas nous négliger, pour ban qui est capable de boire. Et du miel aussi, nous besoin de boire. Et un nabiz, il n'est pas dans nos cultures, nous pas habitués à faire lit. Et nous besoin faire attention si jamais nous pouvons décider pour faire lit ou soit si jamais nous pouvons gagner lit pour boire, nous besoin faire attention
Attention, il arrive un tel degré de fermentation côté na iscar là-dedans, côté na sous les zones là-dedans. Donc, faut des nous serrer l'eau là. Comment nous trouver? Rasoul Assalam, quand il peut dépasser l'air, quand il arrive demain tantôt à soir, ce qui restait, il peut jeter parce qu'il est capable et n'a l'effet sous les zones. Donc, ça, c'est un petit peu description de qadah, de bol, de ban bol qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut servir. Allons nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénis-nous dans tout ce qu'il fait de nous, il fait nous gagner. Tawfiq pour pratiquer ben principe de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et qu'il fait nous boire dans la main mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'eau al-hawd côté un bol spécial qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui pour prendre qui est réservé pour donner ben ummati boire et comme nous fin trouver dans hadith avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam donc il fin de nous rendez-vous là-bas l'eau al-hawd donc qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous joindre et نبوة رسول الله مبارك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.